suis encore en Gironde, mais je suis pas loin des Landes, du département des Landes, puisque Sanguinet se trouve dans les Landes. Et je tiens à remercier chaleureusement Thierry Cipresso, je crois bien que c'est son nom si je ne me trompe pas, qui nous a donné l'autorisation, qui nous permet d'être à l'abri. Alors je sais qu'il ne pourra pas être présent, c'est un collègue, enfin je ne sais pas comment dire, un collègue ou quelqu'un qui fait partie du bureau du club de rugby qui nous accueillera. Mais je vous en parlerai plus tard quand on sera arrivé et que je serai en présence de ce monsieur. À plus tard. Bonjour à tous. Ça y est, nous sommes repartis. Francis prend un autre chemin que moi. Moi, je vais faire un petit peu plus de route. Lui, vu qu'il a, avec Wilson, il peut passer par des chemins, même s'il y a des grosses flaques, il va prendre un peu plus dans les bois, les chemins de la DFCI, des pompiers. Bon, j'espère qu'il pourra passer, qu'il n'y aura pas d'arbres par terre, parce qu'il y a parfois des arbres qui sont au sol. Et la tempête a vraiment soufflé dur cette nuit. Mon fils, qui est pompier volontaire, m'a envoyé des messages en me disant que certaines routes étaient fermées, bloquées par des arbres en travers de la route. Et ben voilà, on tente quand même de partir jusqu'à Sanguinet. Je pense que ça aura été dégagé. On va voir. Alors il faut savoir que Jean-Pierre, du Conseil des Sages de la commune et surtout conseiller municipal de la municipalité, a téléphoné au président du club de rugby de Sanguinet. Il a eu donc des contacts et on est attendu, il faudra que je précise vers quelle heure on arrive, pour être à l'abri au clubhouse du club de rugby. Jusqu'à présent, c'était les clubs de foot qui nous recevaient. Là, c'est le club de rugby. Bon, grâce à Jean-Pierre qui connaît très très bien le président, puisque à Salles, nous avons une grande équipe de rugby. Ici, c'est plus on descend dans le sud-ouest, plus c'est le rugby. Voilà. Alors ce soir, on est à l'abri, ne soyez pas inquiets. Le tout, c'est d'y arriver pas trop mouillé. Je vous dis à plus tard. Petit rappel quand même sur les derniers jours qui se sont écoulés où vous n'avez pas eu de nouvelles. Nous sommes arrivés donc le 30 octobre à Salles, où nous avons eu un très bel accueil par la mairie. La presse était là, il y avait le Bellinettois. La dépêche du bassin, après contact avec moi, est venue nous interviewer. Sud-Ouest va faire un article, mais comme la personne ne pouvait pas se déplacer, va se mettre en communication, faire en contact avec le service communication de la commune. Nous avons vraiment eu un très très bel accueil de la municipalité, du conseil des sages dont je fais partie, de la population et des abonnés, certains qui se sont déplacés, qui sont venus d'un petit peu plus loin et même de hors du département. Alors je remercie toutes ces personnes-là et surtout ce qui a été très très important et que j'ai beaucoup apprécié, c'est des dons qui ont été faits sur place, spontanément, pour aider la recherche à lutter contre le cancer des enfants. Donc merci. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont venus, qui ont participé aux dons, et qui aussi nous encouragent tout au long de nos journées, qui sont parfois un petit peu compliquées, mais voilà, il faut qu'on aille au bout avec Francis. Merci aussi à tous les abonnés qui sont loin, qui ne peuvent pas venir, qui nous encouragent à leur façon, à leur manière, par des beaux textes, des belles paroles. Vous êtes tous tellement bienveillants. Ça va là, droit au cœur. Je ne sais pas trop comment vous remercier. Je trouve qu'il n'y a pas des mots
que ce que je dis, les mots ne correspondent pas vraiment pour aller au fond de ce que j'ai à vous dire. Pourtant, on a une langue française qui est très très riche. Mais bon, j'ai l'impression que ce que je dis, c'est un peu plat. J'aimerais tellement pouvoir vous dire merci avec un mot encore plus fort que merci. Merci pour votre bienveillance à tous, pour vos encouragements. Et alors, on vous a écouté. Nous sommes arrivés le 30 octobre à Salles et nous ne repartons qu'aujourd'hui, le 5 novembre. Parce que forcément, avec ces tempêtes qui se succèdent, ces pluies, là d'ailleurs, cette nuit, ça a été terrible à certains endroits dans le sud-ouest. Là, je pars, il y a le soleil, beaucoup de nuages. Au moment de partir avec Francis, on a eu une belle averse et comme je dis, un gros abado, vous ne connaissez pas ce terme, un gros abado, abat, et oui, l'eau qui s'abat sur nous, il n'y a pas d'autre signification que s'abattre sur nous, tellement c'est violent. Donc nous sommes, au lieu de partir à 7h30, on est parti un petit peu plus tard. Mais bon, ça va le faire. Je vais continuer à marcher dans les bois, sur cette petite route tranquille. Et je vous dis à plus tard. Ça y est, la pluie est à nouveau là. Alors, pour la petite histoire, pendant nos quelques jours de repos avec Francis, nous sommes allés chez le magasin bleu que tout le monde connaît. Et je me suis acheté un nouveau parapluie. Il est rouge, celui-là fait un rouge un peu foncé. Parce que franchement, l'autre, il était bien, mais un peu petit. Et comme il avait souffert lors de la dernière tempête qu'on a essuyée, les baleines étaient tordues. Oh là, ça bouge, il y a du vent. J'espère que je vais pouvoir le tenir ouvert, parce que c'est ce qui me protège le mieux quand même. Et j'ai, que je n'ai pas mis, je pense que je vais m'en vouloir de ne pas l'avoir mis. Je me suis acheté un super pantalon de pluie qui couvre les chaussures. En fait, c'est un pantalon de pluie pour les vélos, pour les cyclistes. Bon, j'arrange le téléphone parce que je ne sais pas si on va m'entendre.
selfie sur ma tenue anti-pluie. Allez, je vous fais ça. Alors, comme vous le voyez, ma veste de pluie, je n'ai pas sorti le poncho encore. Hein. Le parapluie, il est rouge. Je peux le poser puisqu'il ne pleut plus. Et voilà, voilà, le dernier achat. Le pantalon de pluie qui couvre les chaussures. C'est un pantalon de pluie de cycliste. Alors, je vous dirai si c'est valable ou pas, si c'est intéressant, si tient bien. Je vous dirai, je vous ferai un retour sur ça. La pluie s'est arrêtée. J'aurais dû le mettre avant, mais tant pis. Allez, à plus tard. Je suis au milieu de la forêt. Et j'aurai ce paysage jusqu'à pratiquement mon arrivée à Sanguinet. Je traverse la forêt girondine pour entrer dans la forêt landaise, puisque je vais rentrer dans les Landes. Bisous, bisous! Avant que je franchisse le pont de la voie ferrée, le 4x4 s'est arrêté, j'avais pas reconnu. C'était Véronique qui arrivait avec ses chiens. Alors elle avait Raïda, la mère, Oussia, la petite sœur, et Winsky, mon petit chien. J'ai pu faire des gros bisous et de gros câlins encore à mon petit chien avant de partir pour ces 2 mois. Merci Véronique de me faire toujours ces cadeaux. D'arriver sans prévenir et d'être là avec ce petit chien. Merci beaucoup. Tu es une vraie amie et à dans 2 mois. Bisous, bisous. Aujourd'hui, lorsque je suis repartie, je m'étais dit que ce serait une journée où je marcherais pour quelqu'un qui est parti, qui nous a quittés. Pierre. Pierre qui était passé chez moi. Avec Jacqueline et Laurent, un pèlerin. Il avait joué de la guitare, on avait passé un bon moment. Pierre, que l'on a revu à Condom, puisqu'il était avec Jacqueline. Je crois qu'ils sont restés 1 an et demi ensemble.
était reparti sur le chemin de Compostelle et il était à Porto. Et c'est là qu'il a décidé de nous quitter. C'est une nouvelle qui nous a tous attristés, parce que c'était quelqu'un de bien. Aujourd'hui, donc, j'ai pensé à lui, c'est une journée de marche, de reprise pour moi sur ce Tour de France, mais que je lui dédie. Je vous fais des bises à tous, à toi Jacqueline. Bonsoir à tous. Oui, nous sommes au SAC, le Sanguinet Athletic Club. Alors je remercie d'abord Raphaël Arribay, le président qui nous attendait, qui nous a mis à l'abri au clubhouse. Et nous allons passer une nuit non seulement à l'abri, mais en plus au chaud. Nous avons pu nous doucher, il y a de quoi se faire manger, enfin se faire réchauffer, tout ça. Et la salle, elle est chauffée. Alors ça, c'est extraordinaire de pouvoir dormir au chaud ce soir alors qu'on ne demandait juste qu'un abri. Je remercie aussi Thierry Cipresso qui a été l'intermédiaire entre Jean-Pierre Pomero de la mairie de Salles et le président du SAC. Thierry qui est un dirigeant je crois du club mais qui ne pouvait pas venir, qui ne pouvait pas se déplacer pour nous accueillir. Donc ces trois personnes-là, je les remercie à nouveau parce que si nous sommes au chaud et à l'abri, avec tout ce qui tombe en ce moment, c'est bien grâce à eux trois. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous, une bonne nuit. Je vous dis à demain. Bisous, bisous. Francis, tu peux faire le coucou et le bonne nuit. Coucou. Bonne nuit à tous.